La société Ecomobilis est pionnière dans la construction de véhicules électriques dans le Nord-Pas-de-Calais, avec une quarantaine de ventes depuis sa création en 2009. La même année, son directeur remporte le grand prix du concours Lépine, qui récompense l'innovation. C'est un véhicule 100% électrique qui peut parcourir 100 km avec une charge. Toutefois, si de temps en temps vous avez besoin de parcourir plus de 100 km, on a développé une innovation qui est le groupe électrogène ici, que l'on peut intégrer sur le véhicule. Au global, si vous avez besoin de parcourir 200 km, vous allez parcourir les 100 premiers avec une charge électrique, et au bout de 100 km, vous appuyez sur un bouton, et là, notre groupe électrogène va consommer un petit peu d'essence et va recharger les batteries pendant que vous roulez, et vous pourrez faire les 200 km facilement. Fini la crainte d'une panne de batterie. Ce moteur hybride à autonomie prolongée sera commercialisé à partir de juin 2012 sur trois types de véhicules. 15 000 euros est le premier prix d'achat d'un véhicule propre. Mais à long terme, écologie rime avec économie. Un véhicule essence va coûter à peu près 10 euros au 100 km. Un véhicule électrique va coûter 1 euro au 100 km. Si vous ajoutez à cela le fait que les assurances sont en général moins chères pour les véhicules propres et qu'il n'y a pas d'entretien sur un véhicule électrique, le retour sur investissement peut se planifier sur 3 ou 4 ans. Et pour les plus petites bourses, Ecomobilis propose également ses véhicules à la location.